Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis très heureux, au nom de l'Assemblée des professeurs du Collège de France, d'accueillir pour un cycle de conférences de quatre mercredis, le premier aujourd'hui, les suivants dans les semaines qui viennent, au même endroit, à la même heure. Levon Kilmaz, que je vais présenter très rapidement, même s'il n'a assurément pas besoin de l'être présenté, mais ça sera une fois pour toutes, en tout cas pour quatre, et qui nous fait le grand honneur de venir nous entretenir, d'une manière générale, je vais en reparler, de la question de pourquoi écrit-on encore, toujours, l'histoire, ce qui est assurément une question qui peut se poser quand, et je me réfère à son grand et beau livre paru chez Gallimard en 2004, Le temps moderne, quand précisément la coupure moderne nous a séparés de notre passé. On peut toujours se poser la question de savoir pourquoi nous devrions y revenir et de quoi, au fond, on a à revenir. D'un mot pour présenter Levent Yilmaz, historien des idées politiques, formé aux États-Unis, à Chicago notamment, en France également, à l'EHESS, qui a occupé le prestigieux poste académique à Berlin, à Modène et à Florence, et qui a fait l'essentiel de sa carrière d'enseignement en Turquie avant que les événements politiques dramatiques ne l'interrompent brutalement en 2016. Levent Yilmaz est aujourd'hui, je dirais, un passeur en exil, privé de sa capacité de poursuivre ce travail extraordinaire qu'il avait entrepris pour la circulation des idées, la traduction des textes, notamment en poésie contemporaine, dont on doit rappeler combien elle est aujourd'hui et plus que jamais, je dirais, une ressource d'intelligibilité d'une théorie politique véritable. Et voilà, il a entrepris, il continue évidemment dans ce monde décloisonné qui est ou devrait être celui de l'Europe des savoirs, à faire circuler les livres et les idées, mais cette circulation, elle est aujourd'hui contrainte, il va en parler ou non, selon son envie, par, là encore, peut-être un retour du passé, puisque dans un article récent, dans un entretien qu'il a consacré à la revue Le Débat, il montre au fond que la situation turque aujourd'hui a ceci de paradoxal, que l'islam modéré, c'était ainsi que Erdogan se présentait, et bien fait revenir d'une certaine manière un passé turc, celui du kémalisme, et derrière lui un autre plus ancien, dont d'ailleurs aujourd'hui ici Edem Eldem fait l'histoire. Et ce n'est pas exactement de cette histoire dont il aura justement à nous entretenir aujourd'hui, mais à celle de cette herméneutique du passé dont ses travaux sur l'humanisme italien, en particulier Dante, Pétrarque, Leonardo Bruni, Coluccio Salutati et plus récemment Vico, pour un livre qu'il est en train d'écrire, lui permet de définir sa méthode, je veux dire, au fond, par là, cette capacité à envisager la théorie politique non pas comme un corpus de références et de certitudes, mais plutôt comme une collection de dilemmes qui anime un mouvement de réaffectation contemporaine des pensées du passé. Comment, effectivement, s'y situer, comment le faire revenir ou pas jusqu'à nous, quelle est notre condition de moderne, de contemporain, comment peut-on allier l'innovation et le passé? C'est de tout cela qui va nous entretenir à partir d'aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Et donc, je suis très heureux, Levent, de te donner la parole. Maintenant, tu es ici chez toi. Merci, Patrick. Alors, merci vraiment. Alors, mes amis, bien évidemment, il va de soi que je suis très ému, car je m'apprête à parler devant vous des thèmes dont les spécificités et les enjeux ont déjà été discutés
dans cette institution même, et ce depuis longtemps. Je tiens avant tout à remercier chaleureusement Patrick Boucheron pour son invitation et son amitié dès notre première rencontre, mais aussi pour avoir eu le courage de remettre en question notre champ de savoir et notre profession. Ici même, dans cette maison, et avec beaucoup de retard, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à l'égard d'Yves Bonnefoy, qui a soutenu un jeune chercheur, un jeune poète, tout au long de sa carrière. Je regrette infiniment la disparition de cet ami qui m'était cher, de ce grand poète de la présence que je retrouvais presque chaque semaine, vers la fin de la journée, au soleil couchant, pour parler du mouvement et de l'immobilité des choses du monde. J'aimerais par ailleurs dédier ces cours à l'amitié et à l'érudition de François Hartog, comme dirait T.S. Eliot, il miglior fabro. Alors maintenant, il me revient de vous présenter une vue d'ensemble de ces quatre cours à venir. Avant de commencer à préparer le terrain aujourd'hui pour entrer dans le vif du sujet dans les semaines qui viennent. Donc aujourd'hui, il y aura quelques banalités que vous connaissez déjà peut-être, vous m'excuserez, qui jetteront les fondements du discours à venir. Voilà. En 2004, comme l'a dit Patrick, dans mon livre, j'avais essayé de montrer que la querelle des anciens et des modernes qui s'était déroulée à l'Académie française en 1687 était en fait la dernière querelle à propos de la suprématie du passé sur le temps présent. Cette célèbre querelle avait provoqué, de manière décisive et irréversible, l'objectivation du passé et la dissociation de celui-ci du temps présent. Le passé qui continuait à vivre dans le présent sous la forme d'un dévouement, un passé qui pèse sur le présent en le modelant, n'était plus un maître ni un guide fiable pour les méandres obscurs du futur. Les modernes avaient commencé à rejeter toute forme d'imitation des modèles venant du passé et l'ancienne formule cicéronienne, Historia Magistra Vitae, avait cessé de fonctionner car les modernes étaient fiers de leur propre modèle. Selon Hartog, cela constituait l'arrivée du régime moderne d'historicité et Philippe Descola y voyait une originalité inouïe. Je le cite, « Oui, d'autant qu'en Occident, depuis la querelle entre les anciens et les modernes, le nouveau est positif. C'est lié à une transformation de l'échelle de temporalité orientée dans laquelle on se projette vers un futur parce que l'on considère que le présent est le produit des activités du passé et qu'il est perfectible. C'est une idée là encore très originale, absolument pas partagée dans le reste du monde où on a plutôt des temporalités soit cycliques, soit dépourvues de profondeur. » Un anthropologue qui se lance dans une conceptualisation des temporalités et de la querelle des anciens et des modernes. Donc, à partir de, pour grosso modo, de 1700 à peu près, ce qui est aussi la date de la publication de Ars Critica de Jean Leclerc, le passé n'est plus donc un réservoir d'exemples d'où il fallait tirer des leçons. En fait, la querelle de 1687, la dernière et la plus célèbre de ces nombreuses autres dans l'histoire littéraire de l'Occident, n'a pas éclaté, en effet, entre les anciens et les modernes. Elle est venue d'un différent entre les modernes et une autre faction des modernes. Donc, il n'y avait pas des anciens dans le jeu. Cette faction qui, plus tard, portera le nom de conservateur. Ce dernier débat a mis en lumière deux conceptions opposées du temps. L'infini, laissé aux astrophysiciens et aux théologiens, et le temps mondain, terrestre, irdischen, comme dirait Auerbach, c'est le temps des villes et des hommes qui nous concerne, les humanités et les sciences sociales. Donc la modernité en Occident, une sorte d'auto-acculturation, je dirais, a émergé de cette dichotomie très spécifique.
La différence entre ces deux conceptions et la distance sans cesse croissante entre le passé et le présent peuvent facilement être observées dans la manière dont l'histoire a été écrite. L'Antiquité, et même la plus lointaine Antiquité, hier encore réservoir d'exemples moraux, aujourd'hui lieu de rêverie sur l'écoulement du temps et l'écroulement des œuvres humaines, est désormais l'objet d'une discipline destinée à un bel avenir, l'historiographie scientifique. C'est la transformation de l'écriture de l'histoire à l'âge des antiquaires, qu'Arnaldo Momigliano fut le premier à pointer. C'est aussi l'arrivée des notes en bas de page, chères à Tony Grafton. Et c'est en effet dans la manière d'écrire l'histoire ancienne que le creusement d'une distance entre passé et présent est le plus explicite. Bien loin de se contenter d'une histoire de la Grèce ou de Rome écrite par les anciens, Hérodote ou Thucydide, Tite Live ou Polybe, il faut une nouvelle histoire que les modernes se font un devoir d'écrire, une histoire critique. Donc les travaux d'Hérodote ou de Thucydide ou de Tite Live ou de Sallust s'avéraient insuffisants, leur degré d'évidence ne correspondait plus aux critères modernes d'évidence. Il fallait donc réécrire l'histoire ancienne et cette histoire devait porter la bannière ou la marque du nouveau. La plupart des discussions à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en particulier celles initiées par Fréret, se concentrèrent en fait sur l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Antiquité. Une nouvelle science totale, historique ou philologique, attendait d'être inventée par les modernes de l'ère post-querelle. Et donc c'est le titre, bien entendu, du livre de Vico, Giambattista Vico, La Scienza Nuova. Alors cette nouvelle historiographie a suscité d'énormes débats et polémiques jusqu'à nos jours. Comment fallait-il l'écrire? Donc le titre de ces conférences, bien entendu, réfère au livre de Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, publié en 1971. Alors la question que je vais poser dans ces quatre cours, suivant en cela Niklas Luhmann, un sociologue allemand, est plus précisément celle-ci. Pourquoi fallait-il écrire l'histoire à l'ère moderne? Luhmann posait cette question dans son livre Le système social. Et par étonnement, il s'étonnait de voir qu'on écrivait toujours l'histoire à l'ère moderne, à l'époque où la société devenait de plus en plus autonome, autopoétique, autoréférentielle, et n'ayant pas besoin du passé, finalement, de la connaissance du passé. Car le statut de passé, du passé, ne s'était-il pas altéré dans ce temps moderne? Parce que l'identité n'était plus possible, finalement. Cette impossibilité de l'identité, on le voit clairement dans la poésie de Rimbaud, « Je est un autre », ou dans les textes de Fernando Pessoa, « Vivre, c'est être autre ». Donc, ainsi, donc, dans ces quatre cours, je ne vais pas m'intéresser à l'épistémologie de l'histoire, mais à son statut ontologique. Alors, au cours de ces quatre conférences, je vais essayer d'expliciter aujourd'hui des banalités, bien entendu, ce qu'était l'histoire pour les sociétés anciennes, antiques, traditionnelles, pourquoi on l'écrivait, sauvegarder, célébrer, comprendre, imiter, tirer de leçons, et pour qui on l'écrivait ou récitait. La semaine prochaine, ça sera le tour de l'Historia Magistra Vitae, la décadence et la grandeur, et la conception de la nature humaine qui l'accompagne. Et on va voir aussi le fonctionnement de la nouveauté et de l'innovation avant et après l'émergence du moderne. Troisième semaine, ça sera les caractéristiques de la société moderne selon la théorie des systèmes de Luhmann et la mise en place d'une liberté des droits à la place de celle des devoirs. Et finalement, pour terminer, on va voir ce qu'est l'histoire pour les modernes, pour nous, pourquoi elle
continue à s'écrire dans une société en constante différenciation, en quoi elle se transforme et comment le paradigme identitaire essaie de saper toujours ses nouvelles racines. En cela, l'histoire, ce qu'elle peut aujourd'hui, comme nous a fait entendre Patrick Boucheron. Bon, alors, commençons par un constat et considérons les choses en face. Je vais essayer d'être à l'heure. Alors, l'histoire n'est plus cette créature vivante et géante à l'image d'un Léviathan qui juge, préside, donne des leçons, montre la voie à suivre, atteste ou condamne. Elle n'est plus ce monarque absolu qui tranche et gouverne, ni ce maître enseignant à toutes les écoles de tous les niveaux. Elle n'est plus cette maîtresse rigide qui ne cesse de s'offrir une crise de nerfs tous les 10 ans, ni une lampe lumineuse, ni un guide routier. Autoroute magistrale d'antan, elle s'est transformée en un Holzweg, un chemin qui ne mène à nulle part. Elle n'est qu'un Ouroboros, si on veut continuer la métaphore des animaux imaginaires. Elle a aussi cessé d'être cet ouragan qui venait du passé et qui emporta les anges nouveaux. À mon avis, il est temps de poser la question, le fut-elle jamais un jour ? Oui, peut-être, dans une contrée nommée monde moderne d'Occident, depuis les années 1700 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, en transformant l'historia en Geschichte, l'histoire peu muable en histoire processus, on a cru qu'elle l'était. Oui, pendant un moment, dans une géographie limitée, mais avec un fort potentiel d'export-import, ce monstre, ce bien imaginaire, a envahi le marché au temps de notre première globalisation. Dans cette conception, l'histoire marchait. Comme l'écrivait Rimbaud, nous marchons vers l'esprit. L'esprit, bien entendu, c'est le Geist hegelien. Nous marchons telle une armée vers sa propre fin, car elle l'abritait dans son existence même. Il devait y avoir une fin de l'histoire, un jugement dernier, et nous voici téléportés dans un paradis, terrestre, post-étatique ou céleste, peu importe. D'ailleurs, selon les politologues, en 1989, l'histoire avait atteint sa fin et l'on pouvait et devait désormais se rendre au bord des fleuves pour pêcher les matins et philosopher les après-midi, tandis que les enfants de Pakistan ou de Somalie travaillaient à produire des baskets pour la déesse Victoire. Ce n'est pas de cette histoire qui avait séculairement remplacé l'attente de la parousie que je vais parler. Cette dernière, théologico-politique et philosophique, est de nos jours, à mon avis, inadmissible. Et d'ailleurs, elle n'existe pas, si je reprends la provocation de Denis Roche. Comment un écrit d'histoire fut le titre de l'attaque féroce d'un professeur d'Aix-en-Provence contre l'allure scientifisante des adeptes. Selon Venn, l'histoire était un roman vrai, fruit de la curiosité de l'historien, ce que disait plus ou moins Hayden White, de l'autre côté de l'Atlantique, dès 1966, avec la publication de son article « The Burden of History » dans la revue alors très célèbre « History and Theory ». Le livre de Venn fut publié en 1971 et le sous-titre nous en dévoilait toute l'étendue, « Essai d'épistémologie ». Or, quelques années plus tard, en 1977, il allait soutenir une scientificité de l'histoire avec son concept d'invariable dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Comment on écrit l'histoire où l'inventaire des différences n'était ni les premiers, ni ne serait pas les derniers des ouvrages sur le comment de l'écriture de l'histoire. Quant à l'épistémologie, les manuels de Langlois et de Seignobos en avaient déjà lancé la vogue en France. Avant la guerre, en bon critique de l'hégélianisme et du marxisme, par le biais de Weber, Raymond Aron avait publié en 1938 son introduction à la philosophie de l'histoire, essai sur les limites de l'objectivité historique. Et selon Canguilhem,
Léon Brunschwig, qui devait être le directeur de la thèse principale d'Aron, fut le philosophe pour qui il avait le plus de considération. Brunschwig est l'auteur d'une formule reprise par Aron qui va nous intéresser au cours de ces conférences. Alors Brunschwig apparemment disait « L'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de l'égyptologie ». Et si on reprenait la formule pour la France ? L'histoire de la France est-elle l'histoire de l'historiographie française ? On va y revenir. Durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être arrêté par Gestapo et exécuté en 1944, Marc Bloch avait commencé à écrire son apologie de l'histoire. L'histoire, enfin, en cela, il essayait de répondre à l'attaque féroce de Paul Valéry, qui disait que l'histoire était le fruit le plus... c'était le empoisonné de que l'intellect humain avait créé. Bon. Donc, Bloch pensait que Valéry ne savait rien de ce qu'il faisait, avec Lucien Febvre. Donc, mais l'histoire, pour lui, était, pour Bloch, avant tout un métier, une profession. On appartenait à une corporation et on était un travailleur comme les autres. Cet historien prolétaire était obligé de faire un choix, bien entendu, dans l'immense et confuse réalité des choses du passé. Donc on fait un choix. Retenons le mot. Et une autre phrase à retenir de Bloch, c'est « formuler des jugements » et l'autre satanique ennemi de la véritable histoire, donc pas de jugement. Et il fallait viser, quoi, la véritable histoire. Ça, cette formule, on va la retrouver. Une autre voie ambiguë et potentiellement dangereuse pour Bloch est cet emploi du passé qui sert à expliquer le présent pour mieux le justifier ou le condamner. On peut certes expliquer le présent par le passé, mais il faudrait éviter de le justifier ou le condamner. Gérard Noiriel, dans un article publié en 1994 à l'occasion des 50 ans de l'assassinat de Bloch, tire différentes analyses de l'essai inachevé. L'apologie, comme l'expriment souvent les études qui lui sont dédiées, accorde un rôle important au présent, parce que Bloch est attaché à l'idée que l'historien doit rendre des comptes à la société qui le rémunère. Donc, nous sommes on travaille pour la société, pour l'État, enfin souvent, pas aux États-Unis. Si, comme cela a été souvent souligné, le présent occupe une place décisive dans l'apologie, c'est que Bloch refuse l'idée d'une coupure entre le sens commun et le monde savant. Puisque l'histoire est un métier, celui qui l'exerce, comme tout autre travailleur, et ce terme revient sous sa plume souvent quand il parle de l'historien, donc il doit rendre ses comptes. À un moment où la France s'effondre, où le citoyen Bloch, dans l'autre ouvrage qu'il a rédigé peu de temps auparavant, demande aux dirigeants du pays, ainsi qu'à toutes les composantes de la société française, de s'expliquer sur cette faillite collective, il estime normal que les historiens, eux aussi, soient amenés à se justifier. Donc, dès 1940, on voit sous la plume de Bloch la place et la fonction de l'historien dans une société définie, donnée. Dans des circonstances aussi dramatique, comment ceci pourrait-il, les historiens, échapper aux interrogations du sens commun concernant la légitimité? Oui, en effet, comment se construit-elle cette légitimité de l'histoire à l'âge moderne? D'où ça vient? En 1952, Lucien Febvre, à son tour, rassemble ses écrits et part en vue de la naissance d'une histoire avec un H majuscule et d'une science historique avec un S majuscule. Donc, dans le sang et dans la douleur, une humanité nouvelle s'enfante,
est donc, comme toujours, une histoire, une science historique à la mesure de temps imprévu s'apprête à naître. Je souhaite que, d'avance, mon effort ait su deviner et épouser ses directions, et que mes ruisseaux puissent gonfler son torrent. Henri-Irénée Maroux, il commence aussi par l'histoire téléologique. Il publie d'abord l'ambivalence du temps de l'histoire chez Saint-Augustin en 50 et en 52, une communication au 6e congrès des sociétés de philosophie sur l'homme et l'histoire. Et là, on trouve un peu les racines de son intérêt, philosophie critique de l'histoire, essence de l'histoire. Puis il consacre un livre à l'épistémologie de l'histoire, en 54, de la connaissance historique au seuil. Enfin, en 68, il retrouve sa très chère théologie de l'histoire. Maroux est important parce que ils habitent les murs blancs avec Paul Ricoeur, qui dans les années 80 va retrouver avec ses trois volumes une interrogation, je dirais, philosophique sur le récit et la temporalité et sur l'écriture de l'histoire. Donc. Alors, après, d'abord du côté de la Pologne puis de la France, c'est Christophe Pomian, dès 66, s'intéresse aux questions d'épistémologie historique par une histoire de l'historiographie européenne. Mais c'est Arnaldo Momilian, non ? En 50, avec la parution de son article fondateur « Ancient History and the Antiquarian » et avec ses contributis, il pose les jalons de l'historiographie de l'Antiquité. Mais avec une attention particulière à la fonctionnalité de l'historien. Alors, c'est la première fois en 50. Il y a bien entendu toujours des livres qui sont sur l'épistémologie de l'histoire en langue anglaise, mais c'est pour la première fois il pose la question. Pourquoi l'histoire à l'Antiquité existait ? Donc, et la fonction de l'histoire à l'époque ancienne. Mais Momiliano n'est pas le seul, bien entendu, du côté des soviets de la République Bashkir, après un russe et finalement un turc. Zekiveli Ditogan publiait sa méthode de l'histoire. Donc, je vais vous raconter un épisode bien amusant de mon ami et maître Mete Tunçay, qui s'occupe de la République turque. C'est un historien de la République turque de 1923. Alors, il est allé à Ouzbékistan ou Tadjikistan, dans une des républiques de l'ancienne Union soviétique. Et là, il a rencontré des historiens, bien entendu. Et les historiens de ces contrées lui ont demandé sur quoi il travaillait. Il a dit « Je travaille sur la République turque, sur la constitution de la République en 1923 ». Alors, les gens, ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit « Mais non, tu n'es pas donc un historien, tu es journaliste ». Pourquoi il a dit ? Alors, ces Turcs de Ouzbékistan lui ont répondu, je dis d'abord pour ceux qui comprennent le turc, Dari daşa gazılı olacak, daşta gırık olacak. Selon ces historiens, l'histoire devait être inscrite, engravée sur un bloc de pierre, et ce bloc de pierre devait être aussi cassé. Donc. Alors, les années 70 et 80, même les années 90, ont vu l'épanouissement du genre de l'épistémologie de l'histoire. De partout, de la microstoria à Begriffsgeschichte, on a assisté à une fête théorique et historique. Et partout, on assistait à des tournants. Tournants linguistiques, puis culturels, puis critiques, historicistes,
New Historicist, Féministe, Queer ou Global, Armitage et Gouldy, avant de ressusciter la langue durée, ont décrit la situation de l'historien Dervish Turner ou de l'historien Nokia Connecting People. Je le cite, « Les historiens sont de nature vagabonde. Plus que d'autres, ils aiment prendre des tournants. Au cours des 50 dernières années, les historiens anglophones, en lien avec leurs confrères d'autres pays, ont souvent pris de tels tournants. Le tournant social fut sans doute le premier, délaissant l'histoire des élites au profit d'une histoire par le bas, qui part de l'expérience des hommes ordinaires, des dominés, subalternes, des marginaux et des opprimés. Puis il y eut le tournant linguistique venu de la philosophie analytique que les historiens adaptèrent à leur projet. À son tour, celui-ci mena au tournant culturel et au renouveau de l'histoire culturelle. Alors, et finalement, même la revue American Historical Review organisa une importante rencontre sur ces tournants historiographiques dans une perspective critique afin de rendre compte du phénomène. Alors, mais la situation est vue par certains historiens de cette manière-là. Ils ont pensé que c'était intéressant de voir un rapprochement fréquent dans les textes des historiens, les deux termes, épistémologie et historiographie, comme si l'un appelait l'autre, le complétant, le corrigeant ou le nuançant, comme si ce qu'il voulait désigner, en fait, était une sorte de mixte, pas une épistémologie dure, trop lointaine et abstraite, pas une histoire de l'histoire plate, trop internaliste, l'obituaire de la profession, mais une approche attentive aux concepts et aux contextes, aux notions et aux milieux, et toujours plus soucieuse de leurs articulations, réoccupée de cognition et d'historisation, mais vigilante face aux sirènes des réductionnismes. Alors, ces quelques exemples que j'ai cités suffisent à pointer des déplacements et à indiquer des recompositions dans le champ historique et de celui-ci depuis 40 ans. Il s'agit bien des interventions d'épistémologie, souvent pour enrichir, mais parfois appauvrissantes, de l'écriture de l'histoire. Or, ici, mon problème, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt, comme je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt du côté de l'ontologie. Je vais, pour tenter de le circoncire, montrer les strates de l'existence des pratiques d'écriture des gestes, res gestae, puis les usages d'un verbe qui va générer un genre et ensuite une discipline, les uns et les autres à l'intérieur même des structures sociales comparables qui ont donné naissance à différentes traditions. Quand on regarde les encyclopédies, à l'article Histoire, on trouve des définitions étranges. Il est dit, par exemple, « Comprendre le passé semble être un besoin fondamental de l'être humain. » C'est comme si on connaissait à fond l'imaginaire de l'humain, de la bipédie à l'écriture, à l'invention de l'écriture. Ces humains, voulaient-ils comprendre le passé ou bien voulaient-ils construire un passé ? Et en vue de quoi ? Et pour qui ? Il est aussi dit que la forme primordiale de cette écriture de l'histoire était la chronique ou des chronologies. En Égypte, en Mésopotamie ou en Chine, oui, en effet, il se trouvait une caste de scribes officiels, mais l'écrit fut utilisé en grande partie pour la comptabilité et le commerce, plus que pour la mise en écrit des événements importants. Et pour qui ? Des gestes des princes, des guerres et traités ou de l'institution des lignes dynastiques. Alors, cette constitution ou institution des lignes dynastiques était faite plus souvent pour atteindre le statut d'interlocuteur divin. Donc, plus notre lignée s'approchait des dieux, plus on était légitimement nommé roi.
Donc il est aussi dit que ces chroniques ou annales étaient destinées aux générations futures. Qui étaient-elles et que faisaient-elles de ces informations ? Le Zhuo Huang, généralement appelé Zhuo Tradition ou Commentaire de Zhuo, est une ancienne histoire narrative chinoise traditionnellement considérée comme un commentaire sur les anciennes chroniques chinoises des annales des printemps ou des automnes. Il comprend 30 chapitres couvrant une période de 722 à 468 avant Jésus-Christ et se concentre principalement sur les affaires politiques, diplomatiques et militaires de cette époque. Le Zhuo Xuan est célèbre pour son style implacablement réaliste et raconte de nombreux épisodes tendus et dramatiques tels que batailles et combats, assassinats royaux et assassinats de concubines, tromperies et intrigues, excès, oppression et insurrection des citoyens, apparitions de fantômes et de signes cosmiques. Pendant de nombreux siècles, le Zhuo Xuan a été le texte principal à travers lequel les Chinois instruits ont acquis une compréhension de leur histoire ancienne. Alors, bien que le Zhuo Xuan ait longtemps été considéré comme un chef-d'œuvre du grand récit historique, son histoire textuelle précoce est largement inconnue et la nature de sa composition originale et de sa paternité est grandement débattue. Le Zhuo du titre a été traditionnellement considéré comme se référant à un Zhuo Qiuming, une figure obscure du 5e siècle avant Jésus-Christ, décrit comme un disciple aveugle de Confucius, mais il y a peu de preuves réelles pour soutenir cela. Aujourd'hui, les érudits modernes s'accordent à penser que le Zhuo Xuan était à l'origine une œuvre indépendante composée au cours du 4e siècle avant Jésus-Christ, plus tard réarrangée comme un commentaire aux annales. Donc, on a là un exemple typique d'une construction d'un texte pour le passé. Ce n'est pas un texte du passé qui devient le modèle pour le futur, mais c'est une construction à l'envers d'un passé pour le présent. C'est soi-disant contemporain des textes d'Hérodote ou de Thucydide. Mais bon, là, on va voir qu'il s'agit d'autre chose, d'une... Alors, le mot, revenons à notre chère histoire, le mot historié, investigation en grec dans son dialecte ionien, s'est vite transformé en une pratique appréciée et a envahi un champ et un genre à part entière, avant de devenir une discipline. Un champ que presque personne avant Hérodote n'avait labouré ni n'avait peut-être besoin de le faire. Alors, revenons un instant sur le verbe historein et sur la figure d'un personnage, histor. André Sauge, il a bien étudié cette figure qui intervient dans l'épopée homérique. Il y a une figure qui s'appelle histor. Et l'histor, il est le juge qui tranche. Mais c'est un juge qui n'a rien vu et n'a rien entendu. Lors des funérailles de Patrocle, Ajax et Idoménée sont en désaccord pour déterminer qui, après avoir tourné la borne, est en tête dans la course de chars. Ils n'ont évidemment pas le système de photofinish. Ajax parie avec Idoménée et propose de prendre Agamemnon comme histor. Quel que soit le rôle exact d'Agamemnon, il est sûr qu'il n'a rien vu de la scène en question. Il était dans sa tente, probablement en train de faire une sieste. «
Mais il est le roi. Faisons attention, ce n'est pas n'importe qui. Alors l'histoire, il tranche, mais il a aussi cette autorité et légitimité de trancher. Puis, il y a une autre scène sur l'extraordinaire bouclier forgé par Héphaïstos pour Achille. Il est représenté une scène où deux hommes, qu'un grave désaccord oppose, le rachat d'un meurtre, ils décident de faire appel à un Istor. Cet Istor n'est évidemment pas un témoin du meurtre. Alors, Istor intervient et par sa seule intervention, il met fin, il donne son arbitrage entre des versions conflictuelles. Avant d'avoir des yeux, l'Istor a des oreilles. Et avant d'avoir les oreilles, il a un statut social, il est roi. Et peut-être pas un roi corrompu. Alors, ici, l'Istor, il tranche. Or, l'historien que deviendrait un certain citoyen d'Halicarnasse présenterait plutôt la situation en rapportant les diverses narrations. Il ne va pas trancher, lui. Il serait, Hérodote, comme le Kurosawa de Rashomon, qui rassemble quatre récits d'un même événement. Au plus, Hérodote dirait sa préférence pour l'une des versions, mais pas plus. Il utilise, Hérodote, le verbe historein pour désigner le type de travail qu'il a mené le plus souvent dans un contexte d'enquête orale. Quand il s'emploie à résoudre la controversée question des sources du Nil, il précise par exemple « Je suis allé et j'ai vu de mes yeux ». C'est l'autopsie. Jusqu'à la ville d'Éléphantine. Mais au-delà, après, j'ai mené une enquête orale. Cette enquête, dit Hartog, qui confronte ce qu'il sait ou ce qui se dit, notamment du côté des Grecs, à ce que disent ses interlocuteurs, certes, il parle en grec, conserve quelque chose d'une double prise en compte du côté des Grecs et des barbares, bien entendu. Le prologue des histoires s'ouvre ainsi. Ce sont les recherches d'Hérodote d'Halicarnasse qu'il publie dans l'espoir de préserver ainsi de l'oubli le souvenir de ce que les hommes ont fait, d'empêcher que les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares ne perdent leur âme de gloire et en même temps de consigner les raisons de leur querelle. Alors, d'accord, très bien, formidable. Mais qui êtes-vous, monsieur Hérodote ? Pourquoi se lance-t-il dans une entreprise inouïe, inconnue ? Pourquoi il souhaite qu'on lui fasse confiance ? D'où il tire son autorité et sa légitimité ? Est-ce qu'il a fait un PhD en histoire à Harvard ? Est-ce qu'il a été envoyé par le Nouvel Obs pour faire des grands reportages ? Non, non. C'est quelqu'un qui est né en 484 avant notre ère. Il est d'Halicarnasse. Faisons attention, cette ville grecque, d'origine dorienne, où on parle le dialecte ionien, qui est la langue des enquêtes, des historiens, est une ville, est une satrapie perse. Et pour les Grecs, ces gens-là qui vivent sous la domination perse, ce sont des esclaves. Donc Hérodote est un sujet perse. Apparemment, il appartient à une famille aisée. Et les sources nous disent que cette famille ou lui... ils ont participé à une révolte échouée contre le tyran de la ville. La famille
dit le Lasuda, cette encyclopédie byzantine, est exilé dans l'île de Samos à cause de cela. Et toujours selon Lasuda, le jeune Hérodote rentrera à Halicarnasse en grand héros et libérera la ville du terrible tyran Lygdamis, le petit-fils d'Artemisia Ier de Carie, et non le second qui y fit construire le mausoléum, au nom de son mari, Monsieur le roi Mausol. En 444, il émigre dans l'Athènes de Périclès. Devient-il citoyen de la ville démocratique ? Est-ce qu'il devient libre, finalement ? On ne sait pas. Mais il part en Sicile, à Thurium, avec une colonie athénienne. Et probablement, il rentre à Athènes. Est-ce qu'il y meurt durant la grande épidémie de peste ? Ou bien c'est en Macédoine où il obtient les faveurs de la cour royale ? Rien n'est certain. Si ce n'est qu'il était assez riche, probablement, pour se lancer dans des voyages et dans la rédaction des enquêtes. Très probablement, personne ne lui avait demandé la rédaction des historiés. Il n'était pas engagé par le tyran Lygdamis, ni par Périclès ou quelque autre personne de pouvoir. Ce n'était pas, comme je vous l'ai dit, une thèse de doctorat. Il n'allait pas enseigner ses exploits à l'académie, ni au lycée, d'ailleurs, il n'était pas inventé. Des disciplines étaient inconnues. Or, on avait, bien entendu, certains philosophes, des sophistes qui vendaient leurs services dans l'agora, mais est-ce qu'on vendait ces histoires ? Alors, pourquoi s'est-il lancé dans cette entreprise ? Paul Veyne répondait par pure curiosité. Alors, John Marincola, qui est l'éditeur des histoires à l'édition Penguin en anglais, il pense que certains, surtout les premiers livres des histoires, pourraient être étiquetés comme des pièces de performance. Ces parties de la recherche semblent indépendantes et presque détachables, de sorte qu'elles auraient pu être mises de côté par l'auteur aux fins d'une représentation orale. La matrice intellectuelle du Ve siècle, suggère Marincola, comprenait de nombreuses représentations orales au cours desquelles les philosophes récitaient de manière dramatique de tels morceaux détachables de leur travail. L'idée était de critiquer les arguments d'un ou deux prédécesseurs sur un sujet donné et d'insister avec emphase et enthousiasme sur les leurs afin de gagner l'audience. Il était conventionnel à l'époque d'Hérodote que les auteurs publient leurs œuvres en les récitant dans des festivals populaires. Selon Lucien, Hérodote a emporté son travail achevé directement de l'Anatolie aux Jeux Olympiques et a lu entièrement les histoires aux spectateurs rassemblés lors d'une séance, recevant des applaudissements enthousiastes à la fin. Selon le récit très différent d'un ancien grammairien, Hérodote aurait refusé de commencer la lecture de son travail à la fête d'Olympie jusqu'à ce que quelques nuages lui offrent un peu d'ombre. À ce moment-là, l'assemblée s'était dispersée, d'où l'expression proverbiale « Hérodote et son ombre » pour décrire quelqu'un qui manque une opportunité par retard. La récitation d'Hérodote à Olympie était un thème favori des écrivains anciens. Il existe par ailleurs une variante intéressante dans l'histoire de Lasuda. C'est celle de Photius de Tzétzès, dans laquelle un jeune Thucydide se serait trouvé dans l'assemblée avec son père et aurait fondu en larmes pendant le récital. Hérodote aurait annoncé prophétiquement au père du garçon « L'âme de ton fils aspire à la connaissance. » Bon, Hérodote gagnait-il donc sa vie en récitant des pièces de ses histoires ? Que faisaient les auditeurs de ces informations qu'ils entendaient ? Avaient-ils besoin de ces récits pour construire leur identité nationale ?
ou civique. En effet, comme l'affirme Momigliano, je le cite, les historiens du monde classique n'avaient pas une profession, un métier. Ils n'avaient pas de rôle ou devoir cérémoniel et n'avaient pas un type de connaissance clairement défini à inventer ou à transmettre. Ils n'étaient tout simplement pas reconnus publiquement et ils n'avaient pas un statut social particulier. Je ne pense pas qu'un jeune garçon de l'Antiquité avait le moindre rêve de devenir historien, ce que Lucien Febvre appela « ma vocation ». Non seulement on n'en rêvait pas, mais où fallait-il aller pour apprendre le métier? Que fallait-il lire et pour qui? Et pourquoi fallait-il produire cette connaissance volatile non identifiée? En Mésopotamie, en Égypte ou en Chine, la cour payait ses scribes, pas les Grecs. Sauf peut-être quand ils achetaient des billets pour un récital d'histoire au théâtre. Alors le jeune Thucydide s'apprête à coucher par écrit la véritable histoire. Cette histoire qui va nous occuper pendant des milliers, enfin pendant 2000 ans. Et il s'apprête à faire quelque chose, Thucydide, à l'encontre des pratiques d'une grande partie de la société. Je le cite. Tel était, d'après mes recherches, l'antique état de la Grèce, car il est difficile d'accorder créance aux documents dans leur ensemble. Les hommes acceptent sans examen les récits des faits passés, même ceux qui concernent leur pays. Bon. L'histoire véritable pour ces gens-là, ce n'était pas leur occupation principale. Bien entendu, cette véritable histoire est aussi une critique féroce d'Hérodote, de son prédécesseur. Donc, il dit, Thucydide, j'ai composé un récit, j'ai mis par écrit le récit. Et non, je ne l'ai pas récité. Donc, ce n'est pas pour l'oreille. Donc, pourquoi? Parce que si le récit est pour l'oreille, c'est du côté du plaisir. Donc, ce n'est pas ce qu'il vise, ce n'est pas pour le plaisir qu'il a composé son histoire, d'ailleurs qui concerne la guerre la plus grande du monde, parce que la guerre qu'avait décrit Hérodote n'était pas la plus grande, c'est la guerre de Péloponnèse qui est la plus grande, et donc il y a une compétition entre ces deux guerres et ces deux historiens. Donc, ce n'est pas un morceau d'apparat composé pour une satisfaction d'un instant, dit Thucydide. Bon, c'est Agonisma qui s'oppose à Ctema, c'est la critique d'Hérodote, bien entendu. Mais pourquoi cette nécessité pour Thucydide de composer une œuvre solide et durable? Qui lui avait demandé cette écriture? La concurrence créait-elle une valeur? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, et de la plume de Thucydide, et il est avant d'être historien, il est athénien, il fait partie des familles oligarques. Il est aussi un général déchu et exilé. Pour moi, j'ai vécu pendant toute sa durée de la guerre en pleine possession de mes facultés et m'appliquant de mon mieux à me renseigner exactement sur les événements. J'ai vécu 20 ans en exil, à la suite de mon commandement d'Amphipolis. J'ai été témoin des affaires des deux parties et tout spécialement de celles du Péloponnèse et les loisirs que me laissait mon exil m'ont permis de mieux connaître les faits. Combinant tous les éléments de preuve fragmentaires disponibles,
Il semble que sa famille possédait un grand domaine en Thrace, un domaine qui contenait même des mines d'or et permettait à la famille de jouir d'une richesse considérable et durable. La sécurité et la prospérité continue du riche patrimoine durent nécessiter des liens formels avec les rois ou les chefs locaux, ce qui explique l'adoption du nom royal Oloros, nettement Thrace, dans la famille. Une fois exilé, Thucydide choisit de résider en permanence dans la propriété et, étant donné ses revenus conséquents provenant des mines d'or, il put se consacrer à l'écriture. Et qui travaillait dans ces mines d'or ? Bien entendu, des esclaves. Il put se consacrer à l'écriture et à ses recherches historiques à plein temps, tout en effectuant de nombreux voyages d'études. En substance, il était un homme avec un carnet d'adresses, un historien bien connecté et doté de ressources considérables qui, après s'être retiré involontairement des sphères politiques et militaires, décida de financer ses propres enquêtes historiques. Alors je m'arrête pour un peu de discussion, débat, questions. Et je vais continuer avec la décadence et la grandeur de l'Historia Magistra Vitae et la conception de la nature humaine qui l'accompagne et de la cosmologie qui, à son tour, donnait naissance à cette nature humaine la prochaine fois, le 14 mars. Merci. Merci. Merci beaucoup, Levent. Écoutez, nous avons du temps, justement, du temps pour discuter. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite tout de suite prendre la parole, poser une question, réagir? La question des motivations de ce qui n'est pas encore un métier a évidemment fait couler beaucoup d'encre pour Hérodote, et on voit bien que la position de Paul Vane, en tout cas c'est comme ça que la comprennent, me semble-t-il, ses lecteurs, est une position faute de mieux, c'est-à-dire qu'on infère la pure curiosité quand on n'a aucune idée de la motivation réelle, me semble-t-il, puisque la question de la performance reste hypothétique. La première motivation affichée et assumée d'un historien, c'est celle de Thucydide. Elle résulte de l'échec politique et de l'exil. C'est-à-dire que ça peut être déjà une première piste, qui avait d'ailleurs été tirée, non pas dans une généalogie glorieuse, celle qu'on est habitué effectivement à saisir par une généalogie, disons, épistémologique de l'histoire qui commencerait avec Hérodote, mais de cet interminable fil de perdants qui écrivent l'histoire, oui. Et qui se retrouvent effectivement dans cette première figure de Thucydide, qui l'écrit, lui, pour tenter de comprendre après coup les coups qu'il a reçus. Et donc, il y a quand même au départ qui n'a pas su voir venir. En particulier la déchéance, l'exil, la perte de pouvoir, l'échec politique. Voilà. Parce qu'on pourrait continuer ensuite après, hein, jusqu'à Machiavel, Vico, etc. Oui, c'est-à-dire cette question-là de. Mais dans les deux cas, il y a cette volonté de. Cette attitude de pouvoir voir ou de connaître les deux camps. Mmh. Donc, Athénien, Thucydide est exilé, donc il connaît aussi les autres. Hérodote, il était sujet perse, donc il connaît les barbares, mais devenu grec, enfin probablement à Athènes. Donc ces historiens, enfin cet espace qu'occupent ces figures, a l'ambition de connaître les deux côtés. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, un élément important.